Aller dans le désordre, n'est-ce pas?
Alors, je voudrais inviter le docteur Pondy qui va nous lire la locution au nom de toute la diaspora congolaise sur la place de Paris. Docteur Pondy. Chers compatriotes, chers amis du Congo, il y a une semaine, jour pour jour, notre valeureux frère et leader, Guy Brice Parfait Kolela, nous nommons affectueusement président PACO, s'adressait aux Congolaises et Congolais en ces termes. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi, battez-vous pour votre changement. Allez-y, il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Nul ne pouvait imaginer, tant soit peu, la portée historique de cet appel patriotique. Personne n'imaginait que le formidable élan populaire suscité à travers le pays par le candidat PACO allait connaître un arrêt aussi inattendu que brutal. Longue était déjà la nuit, après tant d'années d'oppression, sans limite aucune, du régime tyrannique et illégitime du prédateur Sassou Nguesso et son clan qui ont pris notre pays en otage depuis octobre 1997. Cette longue nuit est devenue aujourd'hui plus obscur et plus insupportable pour tout notre peuple éprouvé, pour toutes nos familles congolaises désespérées, pour tous les démocrates d'Afrique et du monde.
tous meurtris par cette impensable tragédie. Chers compatriotes, chers amis du Congo, battez-vous. Levez-vous comme un seul homme. Nous sommes réunis ici, ce jour, parce que nous l'avons entendu, mais surtout parce que nous avons tous pris l'engagement de porter haut cet appel, ou plus exactement, ce mot d'ordre, désormais inscrit en lettres d'or dans nos cœurs. Au-delà de nos peines, nous levons les yeux au ciel pour que ces mots puissants du président Guy Brice Parfait-Kolela soient désormais le ferment du combat de tous les Congolais pour la libération de notre République du joug dictatorial de Sassou Nguesso Denis et son système de la France-Afrique. Chers compatriotes, ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, affirmait le philosophe Raymond Aron. La relecture avisée des enjeux et défis nouveaux liés à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 nous a conduits par un message en date du 17 mars 2021 à faire nôtre la doxa qui veut qu'en politique, tout rendez-vous avec le peuple doit être saisi afin de transformer en tribune. Au regard de l'immense aspiration des Congolais, du nord au sud, à tourner la page Sassou PCT, témoigné à l'occasion des meetings de campagne, nous avions appelé le peuple congolais à participer, à voter massivement pour les candidats du changement que représentaient Guy Brice Parfait-Kolela, Mathias Nzan et Albert Onyangé. L'espoir était permis. Ferme était la détermination du candidat Guy Brice Parfait-Kolela de ne pas céder à l'intimidation, ni encore moins de tolérer un nouvel hold-up électoral après celui vécu à la suite de l'élection présidentielle en 2016. Le peuple congolais était prêt à défendre sa souveraineté à ses côtés. Lorsque l'on sait par ailleurs que l'effet Paco pour le changement a fait tache d'huile sur tout le pays, boosté par l'alliance politique inattendue entre Jean-Jacques Yombi Opango et Guy Brice Parfait-Kolela autour d'une plateforme de gouvernement et par l'adhésion active des jeunes lissoubistes représentés par le jeune percutant Gavé. Le pouvoir machiavélique de Brazzaville. Que chacun prenne la position de George Floyd là où il se trouve. Voilà. Pour honorer la mémoire de notre héros national, nous prenons la position de George Floyd. Voilà. Les mains levées avec les poignets. Voilà. Alors, nous allons écouter maintenant le testament de notre héros national, président Guy Brice Parfait-Kolela. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci.
Allez, on se lève, merci. Alors, je veux répéter encore ce mot. Message désormais légendaire pour la libération du Congo. Le legs parfait collé là au peuple du Congo sur son lit de mort, quelques heures avant de rendre l'âme. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, mais cependant, je vous demande de vous lever. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi, battez-vous pour votre changement. Allez-y, il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous, merci. Parfait, Kolela n'a même pas parlé de ses enfants. Il n'a même pas parlé de sa famille. Et pendant qu'il est en train de se battre entre la vie et la mort, il pensait au peuple congolais. Au lieu de penser à lui, lui qui était en difficulté, lui qui était déjà à la porte de ce jour de mort, mais il pense à nous. Non, ça, je vous assure, mes chers compatriotes, quel altruisme, quel amour. Quelle considération pour nous, peuple congolais. Applaudissez. Je voudrais dire, dès aujourd'hui, la flamme de la liberté s'est déjà allumée et ne se tiendra plus jamais. La flamme de la libération s'est déjà allumée. Les messages des uns et des autres. Je voudrais inviter rapidement Pébre Zani. Soyez tous les précis. Voilà, tous ceux qui vont intervenir, soyez tous les précis. Pourquoi la France ?
C'est la France qui maintient les dictateurs en Afrique. C'est la France qui valide les élections présidentielles truquées en Afrique. La France doit savoir non plus. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est debout. Et nous, les Congolais, on ne peut plus continuer dans la peur. Je voudrais vous remercier du déplacement que vous avez fait. C'est la peur qui nourrit la dictature. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le départ d'un soulèvement populaire au Congo. Les compatriotes nous regardent. Voilà. Et aujourd'hui, la France doit savoir qu'on s'est mis debout. Parce que la France est complice du dessein du président élu Guy Brice Parfait Coléma. Pourquoi tout simplement, nous avons vu le président Jean-Marie Michel Moukoko, il devrait être évacué ici en France. La France n'a jamais autorisé. La France n'a jamais accepté. Mais ils nous ont envoyé un cadavre. Parce que à Paco, ce n'est qu'un cadavre qu'ils nous ont envoyé. Ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté les Congolais. Et les Congolais ne doivent plus rester dans la peur. Ronda kwa baweyi. Ronda kwa baweyi. Ronda kwa baweyi. La France, cette France Afrique, c'est pas toute la France, c'est pas tous les Français qui sont contre les Africains. C'est une minorité des Français, ce qu'on appelle la France Afrique, qui bénéficie de nos sous-sols, qui bénéficie de tout ce que les Africains ont. En Afrique, on n'a même pas de l'eau potable. Donc nous achetons même pas un euro. Ils n'arrivent plus à nous donner de l'eau. Ni l'électricité. Et alors que nous avons le fleuve, qui est le deuxième au monde. Voilà. Voilà. Donc j'aimerais dire que Français, aujourd'hui, nous aurons qu'un seul langage. Le langage est que si la France ne renvoie pas sa politique envers le Congo, mais les Congolais feront comme les Maliens, les Congolais feront comme les Sénégalais. Si on n'arrive pas à le faire, cela veut dire que l'on est fait. Les compatriotes vont mourir en exil. On n'est pas venu en exil pour mourir. On est venu ici pour repartir et investir dans notre pays. Donc la France doit changer sa politique. Et nous allons exiger que le corps de Guy Brice Parfait Coléma reste ici tant que Sassou au pouvoir. Parce que nous allons donner la force à Sassou d'utiliser les organes de Guy Brice Parfait Coléma pour pouvoir dominer les Congolais. Déjà nous l'entendons, on le sait très bien, il y a Théodorine qui arrive la semaine prochaine. Je vais le faire en direct pour qu'elle comprenne la sécurité de Denis Sassou de son ami pour venir récupérer le corps en cachette, on les attendra. Et je voudrais dire aux Congolais que cela ne soit pas pour la première et la dernière fois quand on organise des manifestations que vous. Que vous ne venez pas. Donc, les prochaines manifestations que nous allons organiser, ça serait ciblé dans les ambassades, comme l'ambassade de la Russie, pour dire à la France, la Russie protège et laisse le temps aux autres de se développer. La France, depuis qu'elle est là, elle fait que, même ici en France, nous avons vu des opposants qu'on a agressés, qu'on a menacés, et la France est complice. La France est complice, et pour finir, j'aimerais dire aux jeunes, à mes frères et compatriotes qui sont nés ici, de continuer à se mettre debout. Battons-nous ! Prenons exemple des frères de la RDC. Essayons des Maliens, des Sénégalais. Donc, essayons de faire comprendre à nos enfants, à nos frères qui sont nés ici, s'ils ne se battent pas pour le Congo, ils ne se battent pas pour notre pays. Merci. Ça signifie pas comme certains le présentent.
que ceux qui contredisent ou qui s'opposent au pouvoir sont des belliqueux ou des battants en guerre, des gens qui sont pour la guerre. Non, mes frères. Non, ce n'est pas cela. Il fut une période où nombre d'entre nous avons pensé que malgré les aléas, les contradictions, les guerres au Congo, qu'on pouvait construire quelque chose, faire la paix, construire le Congo avec le président Sassou Nguesso. Mais les événements nous démontrent que nous nous sommes lamentablement trompés. Nous ne pouvons rien construire pour l'intérêt bien compris des populations congolaises avec le pouvoir de Brazzaville. La guerre, il parle de paix, il parle de paix. Et nous présentons comme des guerriers. Mais la paix, mes frères, c'est un état d'esprit. La paix, c'est une attitude intérieure. La paix, c'est un sentiment qui doit s'accorder avec la volonté de justice qui caractérise les populations congolaises. La paix, c'est la justice. Le Congo n'est pas en paix, voilà pourquoi Paco est mort. Est-ce que c'est pas vrai? Parfait qu'on l'ait mort parce qu'il n'y a pas de paix au Congo. Mais Parfait est mort parce qu'on le sait, on en parle parce qu'il était connu. Nombre de nos frères meurent tous les jours au Congo parce qu'il n'y a pas de paix. Les retraités n'ont pas de salaire, il n'y a pas de paix. Donc, mes frères, on ne pouvait que venir en ces lieux en pensant, je vais terminer par ces mots, on ne pouvait que venir dans ces lieux en pensant au message de Paco sur son lit de mort. Vraiment, il fallait avoir un cœur en pierre pour ne pas venir ici. Mais nous voulons dire à nos frères du Nord que le président Sassou Nguesso nous trompe depuis longtemps. Dans les officines, il parle en termes de pouvoir de Mbochi, l'avenir de Mbochi, l'avenir de Mbochi. Le Congo, ce n'est pas l'avenir de Mbochi. Le Congo, c'est l'avenir des Congolais. Le Congo, c'est l'avenir des Congolais. L'avenir de Mbochi importe peu, c'est l'avenir des Congolais. Parce que nos frères de Mbochi, nos frères Mbochi, qu'on paye, qu'on ne paye pas les retraités, on ne trie pas les retraités Mbochi pour les payer derrière la maison. C'est faux. Ce n'est pas la guerre entre les soi-disant Bakongo et les Mbochi. Ça passe par là pour nous diviser. Nous nous sommes trompés, nous avons été naïfs dans le passé. Levons-nous, comme l'a dit le président. Un dernier message à mes frères du Pour. J'ai mal dit. Le Pour, quand il parle, il a pour et un soussou. Au Vannon, ça va s'envoyer le tiri. Au Vannon, ça va s'envoyer le tiri. N'a tout du fait, nous donnez-les. Thank you.
qui va jouer à Épena en passant par le centre et jusqu'à Nzambi dans le sud. C'est ce Congo que nous voulons bâtir. Mais ce Congo ne sera jamais bâti avec Sassou Nguesso Denis. En 40 années de pouvoir, le Congo demeure un océan de misère. Namambu la nyonso inanimi kusala na kifumu. Bwala ya peto, kekaka bwala ya mpashi. Bwala ya manyongo. Namambu la nyonso oye ya sali na bokonzi. Moga na biso, ezali kaka mboka ya pasi. Nous avons soutenu le candidat Guy Brice Parfait Kolela. Nous avons demandé à soutenir Mathias Nzon et Albert Onyangé. Le pouvoir, sentant la menace, a décidé autrement. Ils l'ont dit clairement. Est-ce que vous avez écouté Ayessa? Oui. Est-ce que vous avez écouté les menaces d'Ayessa? Oui. Est-ce que vous êtes étonné que Paco ait été assassiné? Voilà la réalité. Ils ont assassiné l'espoir. Ils ont voulu briser un rêve. Mais nous disons que le flambeau a été allumé. Nous allons le porter afin que le Congo retrouve la lumière, afin que le jour se lève à nouveau dans notre pays. Pour que ce jour se lève, chers compatriotes, nous avons un appel de Paris. Ce que nous demandons à l'opposition congolaise. Si vous êtes résolument pour le changement, comme cela a été incarné par le président Kolela, si vous êtes pour le changement, nous vous invitons à décréter la désobéissance civile. Nous invitons qu'à partir de ce lundi, à partir du lundi 29 mars, désobéissance civile sur tous les tendus du territoire congolais. C'est l'appel de Paris. Batatana bama manantoto ya Congo. Beto kena kulomba beno. À partir de lundi, beno vanda na bainzo. Beno kwenda na bisalouve. Beno mekutala ndoki ya Sassou Nguesso. Yadi mekufuna. Yannick et la Goussons a fait le retraité, il n'a pas que foutu à café, il n'a pas occupé le chômeur, il n'a que fait la vie seule, mais nous même voté Yannick à 100%. Yannick a pas de matière, les gars. Est-ce que ma étudiant, il n'a que fait la bourse, que fait la l'école, que fait la vie seule, il n'a que fait la vie à 100% sans tout? Yannick et nous voulons y aller. Les amis de Kouta Mounene, Baliki Balobatona au Wando, à 100% va voter pour Nassassou. Binabodi Niango, Balobi, Kounana Vivangu, va voter 100% pour Nassassou. Binabodi Niango, c'est ce mensonge que nous ne voulons pas. Aussi chers compatriotes, Sassou Nguesso Denis ne partira que si nous savons lui désobéir. Désobéir à ce mensonge honteux. C'est une insulte à notre peuple. Dire que les Congolais qui souffrent l'ont élu à 90%, c'est une insulte. Et face à cette insulte, à Paris, nous disons désobéissance civile. Désobéissance civile, que chacun de nous, selon l'appel que nous avons écouté de Paco, que chacun de nous se lève, que chacun de nous se bat, il en va de notre intérêt, chers compatriotes. Combien envoyez-vous en Western Union tous les mois au Paro? Combien envoyez-vous en Western Union? C'est nous qui devons nourrir ceux qui sont au pays, parce que le Congo n'assure pas même les besoins régaliens de notre peuple. Nous souffrons. Et pour arrêter cette souffrance, il faut que Sassou Nguesso Denis parte du pouvoir avec sa bande de médiocres. Alors, chers compatriotes, que chacun de vous soit l'ambassadeur de cette initiative. Appelons notre peuple à désobéir à Sassou Nguesso Denis et n'attendons pas qu'il prête serment, mais que Mathias Nzon, que
Zaïre, que Clément Nyarasa, que toute l'opposition congolaise prenne enfin toutes ses responsabilités afin que le Congo soit libéré, afin qu'un nouveau Congo renaisse de ses cendres. Chers compatriotes, nous avons beaucoup de potentialités. Il y a ici parmi vous nombreux, avec beaucoup d'expérience, qu'ils ont accumulé ici en Europe. Ils seront utiles pour notre pays, pour rebâtir notre pays. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il n'y a pas que le pétrole au Congo. Il n'y a pas que le pétrole au Congo. Nous avons effectivement notre agriculture. Nous avons un pays béni des dieux. Le Congo sera très attractif. Les bords du Congo seront très attractifs. Mais ce qui cache tout, c'est parce que nous avons une présidence à vie sans vision, une présidence à vie sans projet. Ils ont peur, mais pourquoi ont-ils peur? Pourquoi ont-ils peur? Ceux qui ont bâti, ceux qui ont détruit, n'étaient-ce pas les enfants du Sud-Congo? Ce qu'ils ont détruit aujourd'hui, c'est délégué par qui? Nous sommes ici à côté de l'ambassade. Qui avait acheté cette ambassade? Ce n'était pas Fulbert Youlou? Qui avait acheté cette ambassade? Est-ce que vous savez à Paris, quelqu'un peut me dire ici à Paris, aux 50 ans de pouvoir, ce que le PCT a acheté pour le Congo à Paris? Est-ce qu'il y a un bien commun que le pouvoir congolais a acheté en France depuis qu'ils sont au pouvoir? L'ambassade où nous sommes a été laissée par Youlou. Ils ont fait quoi? Ils ont eu 1000 fois, 10 millions de fois plus d'argent qu'eux, ils ont eu. Pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi ont-ils eu peur de Paco? Pourquoi ont-ils eu peur? Chers compatriotes, battons-nous. Chers compatriotes, mobilisons-nous. Ne croisons pas les bras. Rien n'est perdu. Surtout, chassons notre peur. N'ayons pas peur. Le flambeau est allumé. C'est à nous de prendre le témoin. Si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire que nous acceptons la mort de Paco. Or, nous n'acceptons pas. Nous voulons que la mémoire de Paco vive. Chers compatriotes, pour cela, nous avons demandé à la famille, nous avons demandé à ces partisans de l'UDH Yuki que nous sommes avec vous, la diaspora est avec vous, pour que le corps de Paco ne parte pas au Congo, afin que Sassou fasse ses fétiches avec son corps. Nous le refusons. C'est ce qu'il a toujours fait avec ses opposants. Aussi comme les mouvements Kombongila qui attendent la liberté pour rentrer. Les Marc Mapingu qui attendent la liberté pour rentrer. Brice Parfum Borella aussi attendra la liberté pour que son corps aille au Congo. Mais nous devons lui assurer une bonne inhumation ici en France. Et pour cela, il y a une cagnotte qui a été ouverte. C'est un litchi. Vous pouvez aller sur Brazza News, vous aurez les références de cette cagnotte-là. Chers compatriotes, apportons ce que nous pouvons apporter afin que ça puisse se soutenir. N'attendons pas que Sassou a déjà mis tous les moyens. Lui, il veut faire une grande fête. Lui, il aime les morts. Sassou Nguesso Denis aime les morts. Il a déjà tout prévu pour faire des grandes manifestations et réserver une belle sépulture à Paco. Nous, ce que nous attendions de Paco, c'est que le président, il devait changer notre pays. Mais lui, ce qu'il attend de Paco, c'est ses organes, prendre son sexe, aller l'utiliser à Oyo là-bas, et ensuite faire une grande fête au palais du Parlement, parce que c'est ce qu'il aime. Donc, chers compatriotes, apportons notre quote-part, apportons ce que nous pouvons apporter pour pouvoir soutenir la famille et puis le parti de Yuki et bien sûr la diaspora qui sera aussi mis de la partie pour pouvoir assurer l'inhumation de notre illustre disparu. Mais surtout, dans les prochains jours, le peuple RSN, on lui fait aussi confiance, Brazza News et tous les médias de la diaspora, nous allons vous annoncer la prochaine manifestation avant l'inhumation. Car Paco a besoin de nous. Paco veut que nous apportons une nouvelle flamme, un nouveau feu pour un nouveau Congo. Notre pays, nous avons envie d'être dans notre pays. Nous
ne voulons pas rester ici à vie. Chers compatriotes, soyez conscients. Je crois que comme vous voyez, que nos jeunes qui sont là, ils sont nombreux à vouloir chercher même des stages. Ils ne trouvent pas. Leur avenir, c'est le Congo. Le Congo, c'est l'avenir de nos enfants. Le Congo, c'est l'avenir du monde. Vous verrez que dans nos ports du fond de là-bas, je ne sais pas si vous avez déjà été. C'est trop beau. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons voir ici en France. Si vous allez dans le sud du Congo, du côté des amis, c'est une beauté. Lorsque vous attendez, vous entendez de la ligue. Voilà aux herbes. C'est une beauté incroyable. C'est paradisiaque. Mais voyez-vous, les Sassoum, les Sosénis, tout ce qu'ils savent, c'est voler, voler et venir enrichir ce pays. Et c'est ce que nous voulons inverser, chers compatriotes. Donc, mobilisons-nous pour le changement. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, nous voyons également l'engouement. Il y a beaucoup de Congolais de la diaspora qui se sont mobilisés pour venir rendre un dernier hommage, il faut le dire, et manifester contre tout ce qui se passe au niveau du pouvoir de Brazzaville. Alors, également, nous vous avons vu à travers un discours très touchant, un discours qui va direct, un discours qui avait pour but de conscientiser et de donner la force aux Congolais de la diaspora de se mobiliser encore. Quelles sont vos impressions aujourd'hui par rapport à toutes ces personnes, à tous ces Congolais qui sont venus ? Ben, écoutez, notre appel, il est que nous sommes ici les ambassadeurs de notre pays en France. Et qu'au Congo, ils sont embassillés, ils ne peuvent pas bouger parce qu'il y a la terreur qui est imposée par Sassou Nguesso Denis. Donc cette mobilisation doit réjouir notre peuple qui en a besoin. C'est-à-dire que nous nous sommes levés afin de leur donner plus de courage pour que eux, car la solution finale se trouve à leur niveau, pour qu'ils aient aussi eux ce courage de se lever comme nous nous sommes levés. Et là, ce n'est qu'un début. Pensez-vous continuer cette démarche, cette mobilisation les jours à venir ? C'est le souhait, et c'est aussi le souhait de Parfait Kolela qui nous a demandé de nous lever. Donc là, nous nous sommes levés et nous nous assérons que lorsque le Congo sera libéré. Parmi les vidéos qui a fait la une des réseaux sociaux, on a vu également le président Parfait Kolela qui demandait à la population de se lever massivement. Et lorsque vous avez vu cette vidéo et que vous avez repris le même message dans votre discours, quelle a été votre émotion ? L'émotion était très forte parce qu'il faut savoir que c'est dans son dernier souffle qu'il a eu tous ces mots. Et avant de s'éteindre, il a donc eu cette force de nous livrer ce message qui doit résonner en chacun de nous. Chaque Congolais doit méditer sur ce message-là, car il était venu en libérateur. Et ceux qui n'ont pas voulu que ce pays se libère ont commis ce forfait qui était annoncé, puisque Ayessa l'avait annoncé. S'il faut s'adresser au peuple congolais, quel serait votre dernier message ? Le dernier message, c'est que le Congolais, levez-vous, Congolais, désobéissez à Sassou Nguesso Denis, car Sassou Nguesso Denis ne partira que par un soulèvement populaire. Vous n'avez pas les armes, mais vous avez l'arme du silence, de vous arrêter, de vous taire, de pouvoir rester chez vous, et surtout, d'un moment donné, de chasser ces voleurs et ces médiocres. Merci. Merci. Je dirais quoi, mon frère ? Pratiquement, aujourd'hui, tout le monde n'est pas gay d'entendre que Parfait Kolela a quitté ce monde. Parce que tout le monde a cru au changement, en fait. Ça, c'est la jeunesse. Les jeunes, ils ont besoin du changement. On a besoin que ça change chez nous. Parce que quand on voit les exemples dans des pays que nous sommes ici, on voit quand même des choses. Mais on a compris que derrière, là, il y a la main noire de la France qui continue à nous adouer tous les jours, de nous faire comprendre que comme si on n'était pas des hommes civilisés, je ne sais pas quoi. Mais tout ce que nous demandons à la jeunesse, tel que Durel venait de dire là, eux, c'est la jeunesse d'ici et de Paris avec mon neveu, Satch. Donc, c'est à eux aussi de prendre leur part de responsabilité. Comme ils ont dit, qu'ils ont du monde et on a tout ce qu'il faut faire. Donc, nous demandons
et que prochainement qu'on puisse avoir du monde, qu'on arrête à se taper dessus, qu'on soit unis pour qu'on fasse face avec la dictature de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'on en a marre en fait, on en a marre, on est fatigué, c'est tout ce que j'avais à dire frère. La nation congolaise ou la population congolaise a perdu un de leurs qui était un charismatique dans la politique congolaise et bel et bien le disparu Guebwisi Parfait Kolela. Aujourd'hui, les populations de la diaspora se sont mobilisées, ils sont venus par tous les départements pour venir manifester. En les voyant présents ici, réclamer haut et fort la libération du Congo, quelle est selon vous votre impression ou votre engagement dans cette politique? D'abord, je me présente, moi je suis Rodrigue Alda Musongo, vous ne me connaissez pas trop bien. Je suis activiste et journaliste de mon état, j'ai fait communication. Ce que je viens de voir aujourd'hui, c'est l'unité de tous les Congolais par rapport à quelqu'un qui est parti de manière qu'on ne s'attendait pas. Parce qu'on n'a jamais compris, même dans ce monde, quelqu'un qui meurt avant la proclamation des résultats d'une élection qu'il a participé. Moi, je suis totalement satisfait parce que pourquoi? Aujourd'hui, si vous pouvez essayer de demander, un Congolais ne va pas vous dire que je suis du Sud ou je suis du Nord. Non, c'est l'unité de tout le Congolais ici. Et je suis très content de ce que moi j'ai vu et ce que j'ai constaté. Ce que j'ai vu tout à l'heure là, sincèrement, depuis que je suis en France, ça fait pratiquement plus de 10 ans, je n'ai jamais vu cette mobilisation. Et ça fait déjà quelque chose de très bien. Et c'est un message qu'on vient de faire passer. Comme on dit, véhiculer le message. On a fait passer un message parce que pourquoi tous les Congolais se sont réunis. Voilà. Alors, s'il faut s'adresser, quel serait votre dernier message? Et que pouvez-vous dire aux Congolais qui sont actuellement au Congo, qui sont en train de partager cette même douleur? La douleur, elle est immense. Elle est profonde. Elle est très aiguë. Mais sauf que moi, ce que je vais demander à tous les Congolais, d'être unis. Parce que Parfait, c'était un homme, même moi personnellement qui entends de parler. J'ai tapé sur lui parce que je me suis dit que c'était l'enfant de Sassou. C'est le fils de Sassou, c'est l'enfant adoptif de Sassou parce que son père, avant de... Enfin, bref, je ne peux pas rentrer peut-être dans les détails, mais ce qui est vrai, nous sommes bantous. Quand quelqu'un meurt, même si tu peux taper quelqu'un en ce qui concerne la politique, mais pas vouloir sa mort. Parce que la politique, c'est l'échange des idées, c'est pas vouloir la mort de l'autre. Maintenant là, par rapport à ce qui s'est passé ici, je crois bien que c'est un message qui est passé. Auparavant, quand on venait, moi j'ai l'habitude de venir, hein, souvent on venait sur les mobilisations, les meetings ou la manifestation, on était souvent 15, 23, 40, 4. Aujourd'hui là, regardez ce qu'on a fait. Ça, c'est un message qui vient de passer. Et les Congolais doivent savoir que la mort de Parfait, Parfait nous a demandé, battez-vous pour l'avenir de vous et de vos enfants. C'est ce que Parfait nous a dit. Ça, c'est le dernier message que Parfait nous a demandé de faire. Et pour essayer de respecter et de commémorer sa mémoire, on doit respecter ce qu'il nous a dit. Battez-vous, levez-vous par rapport à l'avenir de vous et de vos enfants. Et c'est ce que Parfait dit au dernier moment. Jusqu'au lit de Parfait, je ne croyais pas normalement à sa parole. Mais j'ai cru ça bien après. Parce que c'était un homme serein. Parfait même, jusqu'à dans sa famille, il avait des problèmes. Il avait même des problèmes avec ses propres soeurs et ses propres frères. Aujourd'hui, on a compris. Voilà pourquoi je me suis déplacé de la province là où je sors pour venir manifester ici. Je ne me suis pas déplacé pour rien. Je me suis déplacé parce que c'est quelqu'un qui avait des convictions, qui voulait normalement. Il pouvait même se dire aujourd'hui, je travaille avec Sassou, comme d'autres personnes, comme Lemvouba. Il pouvait rester avec Sassou. Il avait vraiment... Sassou même au dernier moment, qu'est-ce que Sassou a dit? Parfait, c'est mon fils, je l'ai pris comme un fils. On a vu, hein, Sassou. Mais Sassou n'a jamais dit Mvouba, c'était son fils, hein, jamais. Mvouba qui est avec Sassou et tous les autres, comment on appelle, Elom Ampouya, ils sont avec Sassou, non? C'est des gens du foule. Mais Sassou ne les a jamais dit que non, c'est Parfait. Sassou a dit, je compatis de la mémoire de Parfait, c'était, je le prenais comme mon fils. Mais Parfait n'avait pas accepté comme éloge, comme Théodorine, comme les autres. Parfait a dit qu'il faudrait que les Congolais puissent vivre, parce que Parfait, lui, il a étudié ici, il connaît. Ici en France, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui ont le salaire, qui ont le RSA. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais ils ont le chômage. Mais le chômage, l'argent, là, provient d'où? C'est Parfait, Parfait avec composé. Il a dit les Congolais, dans le projet de société de Parfait Kolela, il avait dit, même des gens qui travaillent dans le marché,
ils peuvent avoir un salaire sans même travailler. Ça, c'est ce que Parfait a dit dans son projet de société. Aujourd'hui, je me suis déplacé, mon frère, c'était pour venir manifester pour quelqu'un. Regarde, moi, j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui pouvait normalement faire une révolution dans la ville de Brazzaville, c'était Parfait Kolela. Il n'y a pas deux. C'est Parfait Kolela. Voilà pourquoi on l'a tué, même avant la proclamation des résultats. Pourquoi? Parce que Parfait Kolela, c'est quelqu'un qui pouvait entamer une révolution au niveau... Ça prouvé là, non? Ça n'a jamais existé depuis qu'on fait des révolutions, depuis qu'on fait des manifestations ici en France. Je n'ai jamais vu cette foule mobilisée comme ça. On a eu beaucoup de gens qui sont morts. Beaucoup de hommes politiques. Les Damas Ngolo sont morts, beaucoup de hommes politiques sont morts. On n'a jamais eu cette mobilisation-là. Merci. Ça prouvé. Ouais. Merci beaucoup pour vos propos. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi, battez-vous pour votre changement. Allez-y, il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci.